Oui, salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté, ça va, Dieu fait grâce. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue encore, c'est Sarah VIP TV. Aujourd'hui, on va partager ma journée avec vous et le ménage que je fais au quotidien. Et j'espère que vous allez aimer. Et là, c'était 10 heures. Vous allez dire, maman Sarah, tu te réveilles à 10 heures. Non, 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 non. Je m'étais réveillée à 6 heures du matin et j'arrangeais mes enfants. Quand mon mari, il était là, il était là, il a déposé les enfants à l'école. Et quand il est rentré, on parlait toujours des informations qui se passent tout autour de nous. Parce que ici, le 4 novembre, le lundi qui vient, on va passer aux élections. Et tellement hier aussi, on regardait la télé, les informations, ça fait que on est allé au lit un peu tard. Et quand il est rentré, après avoir déposé nos enfants à l'école, et on a commencé encore à débattre, après, je me suis endormie encore. Et après, et ça fait que je me suis I pass out. Nalali, et maintenant là, c'était presque 10h15, quand je me suis réveillée, je voulais regarder ce que j'aime. Je vais aller allumer la télévision et mettre l'adoration. Et en plus de cela, j'ai mon laptop et je vais regarder des histoires à Target, regarder quelques maisons en ligne parce que on s'approche vers la fête. Et je vais vraiment regarder ce qu'ils ont avant d'aller. Et dites-moi là-bas comment vous allez. Moi, je vais bien. Dieu nous fait grâce. Et j'aime bien vous raconter dans des vidéos comme ça. Ça me fait du bien. Je sais que vous me regardez et moi aussi, je vous regarde. Et là, j'aime vraiment l'adoration des Défunt Papa Alain Moloto. C'est mes chansons préférées. J'écoute ça chaque jour dans ma voiture, à la maison. C'est ça que j'écoute souvent. Ça, hein, ça me donne l'espoir. Ça me donne l'envie de prier même. Et là, regardez ce que Target a. Et après, en ligne, il n'y a qu'un problème. Donc, il faut que j'aille. Je pense, pendant le week-end, on va faire un tour là-bas. On va voir ce que Target a fait entrer pour la fête, pour le Christmas. Et du coup, on va passer un petit moment ici à regarder. Après, on va commencer notre journée. Et je vous laisse regarder avec moi. Prayers for the angels watching over me. B is for the blessing in my heart so free. C is for the Christ child born in Bethlehem. D is for devotion to the great I am. God's ABCs. Them out with me, learning love and faith in the melody. E is for Emmanuel, God with us today. F is for the faith that guides us on our way. G is for God's grace given from above. H is for his hope and his endless love. God's ABCs. Après quelque temps, mon mari m'a dit de lui faire un pancake, donc de lui faire un petit déjeuner parce qu'il était presque 10 heures passées. Et là, je suis entrée d'arranger mes coussins et rendre seulement le canapé propre. Et je vais faire rapidement le pancake pour mon mari. Et on va continuer notre vidéo. Et là, j'ai remplacé le farine dans le bol, dans les containers, pour faire un pancake pour mon mari.
Moi, je ne mange pas le matin, mais quand mon mari est là, il me pousse à manger, je vous dis. Et il y a des parties que je ne vais pas prendre parce que quand j'ai préparé là, et ma tante m'a appelée pour me dire que ma cousine, ma grand-sœur cousine, elle a mis au monde, elle a accouché, je vous dis, j'étais toute choyée. Et elle pensait qu'elle m'informait parce que hier déjà, ma sœur m'avait appelée, elle m'a montré le bébé. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Mais on habite avec elle ici aux États-Unis, même à Dallas. Et ça fait 6 mois, Nakutanakinaye, on s'est rencontrés là où on achète la nourriture et on a parlé, vous savez, on est là, on est une famille, mais elle est mariée, moi aussi je suis mariée, donc ce n'est pas à tout moment qu'on se rencontre, on s'appelle et on rigolait. Donc ça fait presque 1 mois, elle m'a appelée, on parlait de tout, là, là, là. Mais elle m'a rien dit. Et moi aussi, je n'ai même pas suspecté quelque chose. Et elle m'a montré seulement les bébés. Je vous dis, hier, j'étais toute contente. Et on a commencé à parler avec ma tante. J'ai oublié même que je filmais. Vous savez, après 6 ans de mariage, Dieu l'a visité avec une fille, Emanuela. Ah, Irène, Dieu est bon. Et là, j'ai terminé à prendre mon petit déjeuner. Et je vais commencer directement à nettoyer, à laver la vaisselle et on va continuer la vidéo. Et là, j'étais là avec mon mari, on parlait, il était là devant moi, on parlait et je faisais le ménage. Il s'arrangeait aussi de sortir à l'extérieur pour aller nettoyer nos vitres. Bientôt là, ils vont commencer à faire froid et on profite de le faire en ce moment pour rendre seulement la maison propre. La maison, ce n'est pas à moi, c'est à nous deux. Et il y a des tâches que moi, je ne peux pas faire. Il m'aide. Et ce que moi, je peux faire, je le fais sans problème. Et ce que lui, il peut faire aussi, il le fait sans problème. Et c'est teamwork. Donc, c'est ça. Et je vais commencer à essuyer un peu de partout, là où je vois un peu de la poussière, de la saleté. Et c'est ça que je fais chaque jour. Donc, c'est ma routine de chaque jour. Et ce n'est pas mauvais de rendre sa maison propre. Les temps que je peux prendre pour faire regarder le téléphone, mais quand je vois quelque chose ou bien quelque place est vraiment sale ou il y a de poussière, pourquoi pas les nettoyer? C'est très important pour une femme de rendre sa maison propre. Et une maison propre, c'est invitant, quoi. Et là, je me suis fatiguée, je suis fatiguée de ce fleur et je voulais un peu changer et je suis allée regarder dans le closet et je vis ces fleurs et je vais les mettre. Vous les connaissez, ce n'est pas que j'ai acheté ça aujourd'hui, c'était dans le closet et je vais les mettre pendant quelques moments, peut-être pendant des semaines, parce que bientôt là, c'est le Christmas, c'est le Noël, donc on va commencer à décorer pour la fête. Donc les enfants sont vraiment excités pour ces temps-là. Et moi aussi, je me suis déjà partie, je vous dis, je suis déjà partie et regardez le rendu. C'est vraiment joli et ça fait quelque chose du bien. I love it. Et directement, je commençais à balayer et je vous laisse regarder. So low, where I wander alone, you are guiding my path. No more fear in my heart. Through the shadow of night, you are shining so bright with your rod and your staff. You bring comfort at last, shepherd of my soul. Et là, monsieur mon mari commençait déjà à nettoyer le vitre à l'extérieur. Et regardez, je le prie à l'intérieur. Il ne savait même pas. Je ne sais pas quand il va voir. Papa, au kotikaka, supporter.
Et là, moi aussi, je continuais avec mon adoration. J'adorais le Seigneur, je priais en même temps. Je vous dis, Gaël Musique fait ma journée. Chaque jour, c'est des chansons que j'écoute et ça me bénit vraiment. Ce genre de chansons, je ne sais pas. Et là, le miroir était. Ils m'ont envoyé encore. Et Walmart, j'étais un peu déçue encore. Parce que là, au lieu de m'envoyer 71 each, ils m'ont envoyé 64. Et j'ai appelé encore le customer service et ils m'ont dit qu'ils ont fait l'erreur. Il faut que je le ferme et les retourner encore. J'ai dit, oh, you know what? Je n'ai même pas ce temps-là et on va me rembourser l'argent. Hey, et ça, je vais les mettre dans ma chambre. Ils vont me rembourser mon argent et j'étais vraiment en colère contre eux, mais on a arrangé, ils vont me rembourser mon argent et je vais acheter une autre. La famille, désolée, il y a beaucoup de parties qui manquent et je le perdis. Donc là où j'ai faisais, j'ai ensaisonné mes brochettes, là où et je l'ai mis dans les tiges, donc je le perdis, désolée. Et là, regardez, on va manger ça. Mon mari m'avait demandé, donc je le fais. Quand il est à la maison, j'aime, on est ensemble, on parle et on rigole, donc pourquoi pas le faire à manger? Il mange Nagunae. Et là, je pense que la vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, et laissez-moi le pouce bleu, commenter, ça me fera énormément du bien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous aime beaucoup. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager. Ça me fera du bien. Je vous vois à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.